Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Arc Mode. Vous avez été très très nombreux à me demander l'Indominus Rex, ça y est il est là. Je viens de le faire spawn à l'instant, je me suis pas trop approché de lui pour pas regarder la tête qu'il avait. J'ai directement fait spawn en tant qu'allié, alors on va s'approcher d'un petit peu plus près. Et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, ça va être un combat entre l'Indominus Rex et Godzilla Arc, du coup qui a été implanté dans les modes. Alors on va s'approcher un petit... Eh, il me fait peur. Quand tu regardes dans... Oh là là. Oh, il est bien fait, hein. Je suis en train de regarder. Je fais un petit peu le tour de la bestiole parce que moi je la connais pas trop. Alors l'Indominus Rex, ce que moi... Oh, il m'a fait peur, putain. C'est ça, d'avoir un nouvel écran incurvé et tout, forcément, dès qu'il y a un truc qui s'approche de toi, bim, ça fait flipper. Donc du coup l'Indominus Rex, je ne le connais pas extrêmement bien, je ne le connais pas aussi bien que le T-Rex. Si vous entendez des bruits ambiance parce que ma fenêtre est ouverte et qu'il y a les pompiers qui passent au moment où je tourne ma vidéo, merci beaucoup. Ils le font exprès, hein. Là je suis sûre que vous l'entendez, j'écouterai pendant le montage si on l'entend ou pas, c'est fait exprès, ils le font exprès. Donc du coup l'Indominus Rex, si je suis un petit peu l'histoire, l'Indominus Rex a été conçu... pour vaincre le T-Rex, et il a un nom bien précis, cet Indominus Rex. On va regarder sur le téléphone portable d'ailleurs, parce que Indominus, ça veut dire quelque chose en fait. Je crois que ça veut dire quelque chose qui est l'équivalent de roi en fait, pour dire qu'il est au-dessus du... Alors attendez, on va regarder. Indominus Rex, tapons sur le téléphone portable. Voilà. Eh, j'ai des photos, il est énormément ressemblant. Voilà, Indominus Rex veut dire roi indomptable. Est un dinosaure fictif qui apparaît notamment dans les films comme Jurassic World. Oui, effectivement, puisque c'est là que moi je l'ai découvert. Personnellement, je ne le connaissais pas avant. Et on le voit dans Jurassic World, en fait, dans la scène finale. Enfin, tout le long du film, en fait, on a l'occasion de le voir. Il est... Je ne vais pas spoiler, mais en gros, il est un petit peu caché à la fin du film. Là, on a l'occasion vraiment de le voir. Et en fait, du coup, voilà, c'est Indominus Rex, veut dire roi indomptable. Donc en fait, il avait été conçu pour être encore plus bestial, encore plus méchant que le T-Rex. Et je crois que l'Indominus Rex dans le film, si je ne dis pas de bêtises, est conçu avec un T-Rex et son autre gène, je crois que c'est un gène de Raptor. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Il fait bien flipper. Il est hyper beau. Et maintenant, c'est les flics qui passent à ma fenêtre. Ils le font exprès, je crois. Alors hop, on va essayer. On va se mettre en K. Voilà. Par contre, le son est extrêmement fort. Je crois que je vais saigner. Donc clic gauche. Par contre, il est un petit peu rigide de... Attendez, on va faire un truc. Hop, on va se mettre en... Voilà. Bim. Par contre, il est un petit peu rigide de la tête, hein. Ils le font exprès. Les pompiers et tout le font exprès, là. Clic droit. Je sens mal. Oh, attendez, on recommence. Parce que je crois qu'ils peuvent avoir des fois plusieurs cris. Ah, celui-là. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Parce que là, je vais pas vous mentir, avec le petit casque et tout, là, c'est vrai que j'ai un peu flippé. En fait, j'essaie d'imaginer si ça t'arrive dans la vraie vie, que t'entends un cri comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton appartement? Tu t'en vas? Tu prends la bagnole? Tu te casses? Je sais pas. C'est hyper stressant. Donc, du coup, on va invoquer... Attendez, parce que j'avais vu une touche aussi. Non, c'est bon. Quand je fais ça, ou ça, il fait rien. Ok, d'accord. Donc, écoutez, on va le placer. On va invoquer Godzilla Arc. D'ailleurs, Godzilla Arc, il va y avoir par la suite le juvénile qui va arriver. Il y avait qui d'autre? Il y a le juvénile. Et l'alpha. L'alpha, Godzilla Arc, qui va débarquer. Et là, je crois que la fois dernière, je regardais sur son Twitter, il était en train de modéliser, en fait, des œufs. Donc, je pense que ça va être pas mal. Donc, comme d'habitude, on est sur la map The Island, mais avec l'extension Arena, en fait. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Le mode Indominus Rex, Godzilla Arc et Arena est listé dans la barre d'infos. De toute façon, quand j'utilise des modes, à chaque fois, ne vous inquiétez pas, tout est listé à chaque fois dans la barre d'infos. On va voler. Voilà. Fais gaffe, tu vas te faire un torticolis, tu vas te tuer avant qu'il arrive. Donc du coup, l'Indominus Rex, là, est niveau 150. Alors, on va invoquer un Godzilla Arc niveau 1. Je veux juste regarder, en fait, pour jauger, parce que Godzilla Arc est tellement impressionnant par sa taille et par sa puissance aussi, que je vais essayer d'en invoquer un niveau 1 pour voir. Parce que là, je pense que si j'en invoque un 150, il se fait rétamer la tronche assez vite. Donc, on va se mettre là. Je pense que là, ça peut être un bon truc. Écoutez. Hop, on va taper la commande magique, il est là, voilà. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Ça va péter, attention, 3, 2, 1,
C'est parti. Là, ça va chier, là, mon gars. Là, ça va chier, mon gars. Oh, le cri. Ah, il saigne déjà, il saigne déjà. Il saigne déjà. Il y a du sang, il y a du sang. Par contre, en termes de combat, c'est pas très rythmé, hein. Vous voyez, regardez. Eh, il est que niveau 1. Il est que niveau 1, le truc, hein. Vous avez vu comment il est? Hyper puissant. Oh, mes oreilles. Oh, 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 mes oreilles, Michel. C'est quoi ce bruit? Il y a un... Oh là là, il est magnifique. Godzilla Arc, sans mentir. Oh! Oh merde! Merde! Oh! Mais non, il l'a déboîté! En 2 secondes, hein. Tu me touches pas. Il l'a déboîté en 2 secondes, mon gars. Écoutez, on va en faire spawn un autre. En 2 secondes? C'est un niveau 1? Ah, mais c'est impressionnant. Alors, attendez... Tu m'étonnes le truc là, il a la dalle. Alors attendez, on va mettre un autre Indominus. Il était niveau 150. Écoute, on va changer. Vu comment il s'est fait déboîter et qu'il pisse pas le sang que dalle, on va mettre un 500. Bim! 500! Attaque! Ah, il est 500 là. Là, il va le déboîter là. Je crois qu'il pisse déjà le sang. Il pisse de ouf. Ah ouais, il saigne bien là. Ouais, là, ah non, même pas, c'est ses couleurs. Même pas, je croyais qu'il saignait. Ah si, attendez, il a du violet. Ah non, non, c'est... Attends, il saigne ou il saigne pas, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Là, il va gueuler, je pense. Non, bah attendez. Je me dis pas qu'il va déboîter un niveau. Faut que je regarde les dégâts, pas possible. Parce que... Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Godzilla, pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, il peut mettre des dots. Donc en fait, il va faire des dégâts de zone, il va faire des dégâts en fait sur la longue durée. Voilà, un niveau 500 rect. On va mettre un 1000, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. On va mettre ah sinon attendez, si. Ouais, on va mettre un 1000. On va regarder ce que ça va donner. Le truc, il te l'a déboîté. Voilà, là c'est un 1000. Attends, je regarde. Ah merde. Ouais. Ah, 1500. Me dis pas qu'il va tenir. Il était combien lui? 750. Ah, d'accord, ok. Bon, alors on va en faire pop. Combien d'Indominus? C'est bien mon pépère. Tu l'as tué, c'est bien. Par contre, il y a un bug là. Ah, le bug sonore. C'est la traînée, je crois. C'est la traînée. Qui fait ce bruit là. Regardez, attendez, on va voir si ça s'arrête. Je crois que c'est la traînée. C'est Godzilla qui fait chier, c'est Godzilla. Je crois. Alors écoutez, on va remettre un autre. Voilà. Ta ta ta. Voilà. Un autre. Pin pin pin. Voilà. Et là, voilà. On en met 3. Là on est bien là. Attendez. C'est rien. C'est rien. Ouais, c'est le dot. Je me souviens, c'est le dot qu'il a, je pense, qu'il a pris sur lui, qui fait ce bruit-là. Voilà, on va les mettre comme ça. Tous d'affilée, avec maman. Voilà, on se calme. Ah, bah oui, allez-y, mangez, mangez, si vous voulez. Moi, ouais, je suis sûre que c'est le dot qu'il a pris sur la tronche. Voilà, et maintenant, on va balancer un Godzilla. On va en balancer... Alors, attendez, à 1500, il a défoncé un niveau 1. Alors, on va mettre 3... Niveau 3, on va regarder, parce que alors là, faites-moi confiance mes petits. On va déjà mettre un niveau, si ouais, on va mettre 1, 2, on en met 2, déjà on en met 2, moi je veux voir ce qui va se passer là. On en met 2 là, c'est parti. Ah, ils prennent pas mal de dégâts, c'est bon, ok, donc c'est juste pour voir. Ok, ils prennent pas mal de dégâts. Oh, ils ont buté un Indominus. Ils ont quand même réussi à buter les Indominus. Il est pété. Godzilla, il est pété de ouf, les potes. Il est pété de ouf. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un petit kiff. Ta-na-na. Oh, mais par contre, le bruit est infâme. On va se faire une armée, les gamins. Une armée.
Là, j'ai fait spawn une bonne armée. Donc du coup, information aussi importante que j'ai totalement oublié de préciser. Après, beaucoup de gens le savent. Mais je le dis au cas où pour ceux qui ne le savent pas. Faut savoir qu'un dinosaure qu'on n'a pas tamé est toujours plus puissant qu'un dinosaure qu'on a tamé. D'où pourquoi là, Oh, j'ai oublié leur nom, les pauvres. Les Indominus Rex sont moins puissants. Et pourquoi je les ai foutus 1500? Parce qu'ils sont vachement, du coup, inférieurs en termes de dégâts. Ils sont vachement inférieurs du coup en termes de dégâts comparé à Godzilla du coup qui a pas été tamé et qui de base je pense est déjà très très très... Oh putain la PLS, mon gars la PLS. Oh la vache. Alors là, je sais pas comment ça va finir. Non là les Indomis vont se faire déglinguer. Là ça va être la déglingue. La déglingue. Non. Non. Vous devez résister. Oh la déglingue. Oh, ils vont peut-être tenir, ils vont peut-être tenir. Non. C'est chiant à faire spawn. Mais du coup, pour le coup, c'est eux qui ont été les plus forts. Je vais entamer, hein, pour regarder un truc. Venez là, venez là. Stop, on arrête les massacres. Les deux sont force tam. Je viens de flasher juste sur ce Godzilla-ci, si tu veux bien venir. Godzilla, s'il te plaît. Viens voir, voilà. Viens voir maman. Alors, hop, on va se mettre en comme ça. Oh, il est juste magnifique. Il est, il déboîte en couleur comme ça. Il fait un peu couleur terre. Il est super beau. La version Earth. Je vais me refaire un petit kiff. Vous saviez à quel point j'aimais cette petite bête, hein, bien évidemment. Est-ce qu'il fait toujours des sauts de ouf? Alors ça, on va regarder. Attendez, hop, on va se mettre en K. Hop, on recule, on recule, on recule. Oh la vache, mais il est tellement grand que t'en as pour 10 ans, quoi, à reculer. Là, on est bon, là. Ouais, on est bon. Ah ouais, c'est toujours... Regarde, limite, je vais sauter sur un Indominus, quoi. Non, c'est bon. Toujours un truc de ouf. Oh là 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 là. Et on a la touche C, qui était un truc de malade. Et là... Oh, ça va beaucoup mieux au niveau du son. Ça va beaucoup mieux parce qu'au début, il y avait un gros souci de son. Enfin, le son était beaucoup trop fort. Quand ça te pétait dans les oreilles, t'étais à moitié sourd. Et ça m'est arrivé, c'est pas des conneries. Vraie histoire, quand j'ai tourné la vidéo, quand il a poussé son cri lors de la deuxième vidéo, en fait, j'avais le son trop fort. Et en fait, ça m'a foutu un problème au tympan. Et pendant une semaine, je pouvais plus mettre le casque. Parce que ça m'avait démonté le tympan. Pour vous dire à quel point c'est dangereux, donc faites gaffe. Mais là, c'est bon, le problème a été réglé. On va refaire un dernier combat. Allez, un dernier petit combat. Qu'est-ce qu'on va faire spawn? Et si on faisait spawn, les amis, une armée de T-Rex? Une armée de T-Rex. Ah non, mince! En fait, regardez, ils plantent. Quand on les fait spawn tous les uns dans les autres, en fait, c'est brochette partie. Oh! Putain! Ça sert à rien de faire ça! Oh là 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 là, la brochette, la brochette! Oh mon dieu. Même le Yuti s'est fait défoncer. En gros, il faut faire spawn des 1000 quoi. Pour que ça tienne. Enfin, pour que ça tienne. Oh là là, regardez, on a des bugs de texture et tout, c'est dégueulasse. Pour que ça marche, en fait, il faudrait... Ah, on a encore un T-Rex vivant. Pour que ça marche, il faut que je les fasse spawn au sol, du coup. Mais tous les uns à côté des autres. Mais là, comme on a pu le voir, ça ne... Une catastrophe. Non, il faudrait que je fasse spawn des niveaux vraiment... Allez, j'irai 1000. 1000, facilement. Écoutez, je vais faire... On va essayer d'en faire spawn 1000, juste pour voir le... bah, son temps de résistance. Hop, un petit 1000. Voilà. L'attaque, voilà, c'est bon. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Déjà en termes de taille, ils sont le T-Rex, il est tout petit à côté de l'Indominus. Hein. Ah, c'est vraiment le roi à côté. Ah non, vous voyez, 1000, il se fait déboîter quand même. Hein. Regardez les brochettes en haut, la brochette de T-Rex, c'est excellent. Écoute, on va mettre 2000. C'est un abus, 2000, Harry. On va voir. Et il est 2000.
C'est pour dire à quel point le T-Rex est un enfant à côté. C'est un bébé. Attendez, je vais mettre une tarte dans le truc. Godzilla, tu veux pas venir, toi? T'en fous. Donc du coup, oh, tous les sacs et tout. Enfin, tous les sacs qu'il y avait. Donc du coup, on va s'arrêter là, mes petits loups, pour cette vidéo de mode avec la belle brochette de T-Rex qu'on a là. On va s'arrêter sur cette jolie image. En attendant, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos, n'importe quoi, dans les commentaires, justement, quel prochain mode vous voulez voir. Je sais très bien que vous voulez voir ISO. C'est bon, c'est téléchargé, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver prochainement. Mais dites-moi en mode de combat, qu'est-ce que vous voulez voir? Quoi contre quoi, en fait? Parce que là... Franchement, j'ai vraiment kiffé, même si là-bas, il y avait le gros flemmard qui faisait rien. Et encore heureux qu'il a rien fait, parce que vu comment tous les T-Rex se sont fait déboîter, ça ne servait à rien qu'il intervienne. J'ai adoré présenter ce mode avec Godzillark et l'Indominus Rex. Donc du coup, voilà, j'attends vraiment vos messages pour me dire si vous avez aimé ou pas, et si vous voulez voir d'autres combats de ce type. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ah oui, j'allais oublier, au fait, n'hésite pas à t'abonner aussi à mes réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, de toute façon tout est listé dans la barre d'infos, c'est là où je poste le plus d'informations.